que vous comprenez? Amen. Amen. Si vous ne voulez pas dire Amen, moi je dis Amen pour vous. Come, my daughter. Si vous, vous ne voulez pas dire Amen, mais toi, tu vas dire Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Il a promis. À la kaki. À Kozalana Biso. Je m'accroche. Na kanga minaye. Je m'accroche. Na kanga minaye. Oh, oh. Il a promis. D'être à Salana Biso. Sa fidélité, Bosembo naye, durera toujours. Et salipo na libela na libela. Sa fidélité, Bosembo naye, durera. Et zapo na libela na libela. Ma fille, je sers un Dieu qui est vivant. Nzambe nanga za na bomoi mo na nanga. Tu es d'accord en ça? Amen. 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 Un homme va venir te tenir comme ça. Motomoko, mobali mokaso ya kosimba yo boy. Bon, je ne voulais pas acclamer le Seigneur. Si tu n'aimes pas, si tu ne veux pas acclamer le Seigneur, alléluia. Tu es vivant. Si tu ne veux pas acclamer le Seigneur, un ange de l'autre côté du sommeil a réapposé pour nous là. Et un homme de l'autre côté, un ange de sommeil viendra te donner le sommeil, tu vas dormir. Parce que comme toi, tu ne veux pas acclamer, tu vas dormir. Mais alors si tu es le sommeil ne viendra pas. L'ange du sommeil ne viendra pas vers toi. J'ai un Dieu vivant. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Qui connaît cette femme? Moi. À la plupart, vous y êtes. Moi. Ok, ma fille. Moi, Nanga. Yébisangai. Dis non. Na église. Et dis à l'église. Nzambe Nangai. Mon Dieu. Asalini. Qu'a-t-il fait, mon Dieu? Shalom, peuple de Dieu. Le mot me manque. Ça doit manquer quand même. Mais il est la parole lui-même. Amen. En tout cas, Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Mm-hmm. Je connais l'église ADV au travers de YouTube parce que j'étais dans une situation qui était terrible. Ma santé a été touchée. Alors, je serai un peu brève. Je suis arrivée en Belgique en 2021, au mois de septembre. Et directement, j'ai été accueillie au centre d'accueil, fait d'asile, à Jeudouin. Et dès là, en faisant tous les examens possibles, on m'a diagnostiqué avec la maladie de VIH-Sida. VIH-Sida. Sida. OK. Bien avant, c'est là, quand j'étais encore au pays, en 2018-17, j'avais un petit copain qui était fils d'un pasteur. Un jour, on parlait. Il vient me dire que non, il a fait un rêve la nuit, il y avait une dame qui lui disait, où est-ce que tu veux amener cette fille-là? Cette fille ne va jamais se marier dans la vie. Pour nous, elle a été destinée à mourir. Alors, le chemin par lequel nous avons tracé, elle va mourir par VIH-Sida. Alors, pour moi, bon, j'ai pris ça, c'est juste un rêve, voilà, et puis c'est passé. Et en venant ici, lorsqu'on m'a diagnostiqué cela, j'étais vraiment troublée. Parce qu'au mois de novembre de 2021, j'ai fait tous les examens possibles, il n'y avait rien. Mais arrivé au mois de février 2022, ils avaient trouvé un petit tache, quelque chose qui n'allait pas au niveau de mon poumon. On m'a fait tous les examens, le scanner plus de 5 fois. On n'a rien trouvé, mais ils ont pris la décision finale de faire des examens encore, la prise de sang. Et c'est de là qu'ils ont découvert qu'il y avait l'infection du VIH-Sida. Alors, j'étais chez ma sœur, j'ai reçu un coup de fil du médical de mon centre de fait d'asile. Le médecin m'a dit, Nadine, tu es où? Je dis, non, je suis en famille. Il m'a dit, mais on a tes résultats ici, tu as une maladie avec laquelle tu vivras toute ta vie. J'ai dit, oh, toute ma vie. J'étais un peu troublée, il m'a dit, non, viens vite, vite. Je suis venue, je suis allée plus tôt. Arrivée là-bas, l'infirmière me reçoit, me dit, non, voilà,
on t'a diagnostiqué pour telle maladie. J'étais paralysée. Ce n'est pas facile, mes frères, mes sœurs. C'est une maladie, lorsqu'on vous l'annonce, vous avez même envie de mourir sous les champs, parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de guérison pour ça, selon le monde, comme on le dit. Et alors, je suis sortie du centre, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je pleurais, mais ceux qui connaissent le centre Jodon, je suis là avec une copine avec laquelle on est au centre, Berthe, elle est là. Pour la première fois, elle est là. Ah, ok. Acclame le Seigneur. Alors, je descendais la colline, je pleurais, je disais, diable, tu es menteur. Moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir de cette maladie. Alors, arrivé à la maison, je n'ai même pas su le dire à la famille et tout. J'ai dit, non, je dois chercher Dieu. Et c'est en ce moment-là, je dis, je vais chercher le vidéo du frère Carlito, le chanteur Carlito, parce que j'ai entendu parler qu'il a été guéri du sida. Je ne sais pas comment. J'ai commencé à faire des recherches et alors c'est en ce moment-là que je suis tombée sur ADV. Et là, je vois le témoignage du frère qui avait, de frères qui ont, des gens qui ont témoigné pour veiller à sida. Et là, j'ai pris la foi, je dis, moi, j'irai à ADV. Et le jour où je mettrai mes pieds là-bas, c'est le jour de ma guérison. J'obtiendrai ma guérison, mon mariage, tout de moi, je l'obtiendrai dans cette église-là. Et le jour où j'ai pris la décision, cette semaine-là, il fallait que j'aille faire la prise de sang. Je suis allée un certain mardi de la semaine, le rendez-vous avec le médecin, j'y vais. Il me dit, oh, mais madame, je vois qu'il y a un grand changement ici. Vous avez... charge virale. La charge virale était dans les environs de 1700, quelque chose du genre. Et maintenant, je vois, c'est à 75%. Comment c'est fait? Je dis gloire à Dieu. Et puis, il me dit, je vois que le médicament fonctionne bien. Or, au moment où il m'avait diagnostiqué là, on m'avait donné le médicament, mais je ne le prenais pas. Je ne le prenais pas. Je suis rentrée et je suis venue à l'église à ADV. Papa ne m'avait pas reçue. J'ai participé au culte. Et les dimanches, papa a fait appel aux gens qui souffraient de cancer. Mais n'avait pas cité le nom de sida. J'étais là, quelque part assise. Je me suis dit, bon, ce n'est que pour les gens de cancer. Après, mon cœur m'a dit, non, lève-toi, vas-y, c'est ton temps. Je suis venue, j'ai fait la violence. Et papa m'a posé la question ici. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te dérange? Je lui ai dit, je veux ma guérison pour le VIH. Il avait fait une prière spéciale pour moi ici. Je crois que vous avez les images. Moi, je les ai. Ma vie, je suis fier de te voir. Nazane Senga Komona. Je suis fier de toi. Nazane Senga. Parce que tu feras la fierté de ce ministère. Pour que ça les Senga au ministère. L'apostolat de ce ministère. Apostolat et ministère. Par toi, les gens vont dire hé. Hey, par toi, les gens diront, hey, le Seigneur agit. Tala na tema futa likolo na yo. Au nom de Jésus. Parce que l'onction est contactée par na Yesu sala. Parce que l'onction qui est entrée en toi travaille. Yesu sala kaka. Elle travaille toujours. Elle agit toujours. Yesu sala. Elle agit. Oko sepela. Et tu vas te réjouir. Yesu sala. Elle agit. Nalobi oko sepela. Je dis tu vas te réjouir. Yesu sala. Elle agit. Nalobi oko sepela. Je dis tu vas te réjouir. Yesu sala. Elle agit. Nalobi oko sepela. Je dis tu vas te réjouir. Yesu sala. Je dis tu vas te réjouir. 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 Tu vas te réjouir. Je dis 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 tu vas te réjouir. Alléluia. Dieu est vivant. My God. Mon Dieu. 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 Dieu plus grand que les médecins. Oza munene koleka minganga. Oza munene koleka bopito nyonso. Oza munene koleka basatifique nyonso. Mon Dieu. Be in the name of Jesus. Sois guéri au nom de Jésus. Complètement. Mon bimba na onyonso. C'est la fierté de mon apostolat. Alléluia. Quelle joie. Il a fait une prière spéciale. Il m'a dit, je vous donne 3 mois. Je te donne 3 mois et tu verras ce que le Seigneur va faire. Je vous assure, ce n'est pas comme appeler l'argent. Je ne connais pas Papa Tony. Je ne l'ai jamais connu de ma vie. Je l'ai connu ici en Belgique. 3 mois, comme il avait dit.
Parce que je me disais, si peut-être ce sont des arrangements, mais comment se fait-il qu'à 3 mois, il sait qu'après, dans 3 mois, j'irai voir le médecin. Il n'a jamais été avec moi. Après 3 mois, je suis allée voir le médecin. Il m'a pris à peu élevé. J'ai laissé mes documents à la maison. J'allais vous apporter les preuves. Je vais les apporter même les dimanches prochains. Je vais vous montrer. Alors, je vais voir le médecin. Il me regarde, me dit, madame, vous allez bien? Je dis, ouais, je vais bien. Il me dit, félicitations. Je dis, félicitations, pourquoi? Il me dit, en tout cas, là, il n'y a plus rien. Il me dit... Alléluia! Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom, Seigneur. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté. Ta majesté. S'élève au-dessus des cieux. Que ton nom. C'est elle qui m'avait écrit chez elle pour me permettre de venir au culte pendant la semaine. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça a déménagé, c'est pourquoi vous me voyez. Alléluia. Que c'est difficile pour moi de venir pendant la semaine. Parce que alléluia. Oui. Alléluia. Sois béni. Vous ne savez même pas de quoi j'avais. Vous ne savez pas de quoi je souffrais. Alléluia. Mais me voyez seulement venir à l'église et prier toute la nuit. Jésus. Elle est surprise, je crois. Alléluia. Je crois qu'elle est surprise, elle aussi. La sœur ne savait pas ce que la sœur avait comme maladie. Elle lui disait juste qu'elle allait à l'église, elle avait un problème. C'est aujourd'hui qu'elle découvre qu'elle avait la HIV. Vous vivez à Bruxelles, madame? Non, j'habite à Braine-l'Alleud. À Braine-l'Alleud. C'est madame qui vient de Braine-l'Alleud. De la Braine de retour. Alléluia. Tu es vivant. Avant, j'étais à Louvain-la-Neuve. C'est à ce moment qu'on habitait ensemble. Oh, et la sœur avait accueilli notre sœur chez elle à Braine-l'Alleud. Le Seigneur est bon. Amen. Amen.
Que le Seigneur te bénisse. Ma fille. Moi, maintenant, dis non. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu peux dire pour les bien-aimés qui souffrent de ces cas qui sont impossibles à soigner? Peuple de Dieu, ce que je voudrais dire est que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et que à chaque fois que Dieu te présente, il y a un obstacle qui se présente devant toi, invoque Dieu. Parce que Dieu se révèle toujours à la dimension problème qu'on lui présente. Et il s'est manifesté dans ma vie en tant que Jéhovah Rapha, le Dieu qui peut tout guérir. Et ces jours-là, il y avait une chanson de maman pasteur Atoms, Nadege. Elle a dit Benganga Yahweh. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Chante ça si vous pouvez. C'est possible? Je peux. Ok. La musicienne. Je ne connais pas si la musique vous connaissez. Okozwa, en juste do, so, to, zwa, toni. Bokotuna, kombonanga, naniye, na telemisa moi, na losambo yoshua, bozotuna, kombonanga, naniye. Na kabola mai, bongo watambola na makolo. Na lobi benganga yawe, benganga yawe. Appelle-moi Dieu. Benganga yawe. Appelle-moi Dieu. Oh homme, oh homme. Pourquoi t'inquiètes-tu de ce qui t'arrive, oh homme, oh homme? Pourquoi te demandes-tu si Dieu est caché, bozotuna, kombonanga naniye? Demandez quel na pesa mwana ne komba vanda mvule bele bozotuna, kombonanga naniye? Vous posez la question stérile pour que je puisse donner un enfant. Oi. Ça fait plusieurs années que vous posez la question quel est mon nom pour que je te donne un enfant. Là où tu n'as plus de matrice, tu te demandes qui est, quel est mon nom pour que je te donne un enfant. Appelle-moi Dieu. Appelle-moi, mon nom est Dieu. Appelle-moi Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Que... Oh Amen, oh Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Je me préparais à chanter pour le Seigneur, mais papa m'a pris à appeler. J'avais d'autres chansons que j'avais préparées. Je vais voir. La radio chante, maman a dit. Je vais chanter la chanson de la sœur Sandra Ambouy. Pardon? La sœur Sandra Ambouy. La chanson de Sandra Ambouy, la sœur Sandra Ambouy, oui. Alléluia. Alléluia. Je pense que tu es chanteur. Hein? Oui, je chantais au pays, dans l'église. Amen. Le pays ne s'arrête pas là-bas, le pays continue même ici. Alléluia, le chant est là, mais je chante ce que Dieu va mettre en cœur maintenant. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, je suis émerveillée par ce que Dieu a fait pour moi. C'est tellement grand, c'est tellement grand, c'est tellement grand. Vous savez, telle qu'elle est venue ici, elle ne savait même pas qu'aujourd'hui elle allait témoigner. Elle me l'avait dit le dimanche passé. Je viendrai avec mes résultats. Cela fait que dimanche 25, le dimanche 25, moi j'étais sur l'île. Oui, sur l'île. Amen. Amen.
Alors, j'ai pensé à elle, je me suis rappelé d'elle cette nuit et j'ai dit à maman que nous puissions l'appeler par le Saint-Esprit qu'elle vienne au culte. Et quand je descendais dans la salle, je l'ai vue. Amen. Je voudrais que tu nous ramènes les résultats afin d'ôter le doute qui est encore dans le cœur de quelqu'un. Amen. Amen. Mais pourquoi si rapidement? Mais pourquoi le Seigneur l'a guéri aussi rapidement? Nzambe
La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Kontima ezanga misala eza kontima moko ekufa. Quand on zamba tala ka foi na biso tala ka ngona ba acte na ba œuvres. Et quand le Seigneur observe notre foi, il observe nos actes, nos œuvres. Quand elle est venue chercher sa guérison, elle n'a pas eu peur. Quand elle s'est tenue sur cette chair, je lui ai posé la question, est-ce que tu n'auras pas honte d'abord d'avouer, de dire aux gens quelle est la maladie que tu as? Je suis obligé, je veux qu'elle se Elle a dit, je vais le dire, je suis obligé. C'est pour ça même ça qu'il y a là-bas. Voilà pourquoi je lui avais dit et de le dire. Et vous étiez là plusieurs de vous, Bozakiwana. Et Bélé et Ozalakia, nous étions là plusieurs quand elle avait dit de quoi elle souffrait. Et quand nous avons prié, une forte délivrance s'est passée. À cause de cette foi-là, elle a placé Dieu en premier lieu. Elle n'a pas regardé les hommes autour d'elle. Le Seigneur l'a guéri. La guérison est là. Pas si longtemps. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Elle a même des preuves qu'elle est guérie. Ma fille. Moi, Nanga. Quand tu m'avais dit. Pour la guérison du sida. Quand tu m'avais parlé de la guérison du sida. Tu m'avais aussi dit. Je veux le mariage. Je t'ai pris par ma main, je t'ai amené jusqu'ici. Avant que tu ne puisses témoigner, une parole est venue dans ma bouche. Un homme. Mobali Moko. Azoya. Il vient, avec un homme vient. Azoya na lombango. La même manière que la guérison est venue avec la vitesse. Pour un mariage. Pour te prendre en mariage, un homme vient avec une vitesse. Amen, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant. Bag mon écota. Moninga zui. Yopo zui. Quand quelqu'un est béni, réjouis-toi. Quand Yopo tu es béni, réjouis-toi. Moninga zui. Quand l'autre est béni, réjouis-toi. On va chanter ce chant ici. Parce qu'une bague vient dans ton annulaire. Et après cette alliance, les bébés vont venir. J'ai dit bien plus rien, le bébé. J'ai dit que les bébés vont venir. Ce que Dieu peut faire. Et ça étonne le monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre. C'est toi qui es libre et guéri. Et yo, osa libre peu obiki. Yes, a big sur. Le Seigneur Jésus t'a guéri. Si tu veux voir la main de Dieu, commence d'abord par enlever la honte, enlève le doute, enlève toute chose qui peut faire obstacle. Tu es béni, ma fille. Et cette maladie ne reviendra plus. Vous savez, cette maladie, certainement, est comme rappelée par Nanzela. Certainement, cette maladie peut venir par les voies de la sexualité. Par le voie de la sexualité. Mais au commun, sur la source dans l'obéissance de l'esprit, tu sais bien que ça vient de l'esprit. Et par, dans l'esprit, nous reconnaissons la source de cette maladie qui vient de l'esprit. Un esprit mauvais peut te pousser vers la personne qui est malade, Bobby Manaï. Et un esprit mauvais peut te conduire vers une personne porteur du virus pour que tu puisses avoir des relations sexuelles avec. C'est dans un rêve qu'on avait révélé à ton copain. Et quand toi tu es venu ici, tu es arrivé. On t'a fait un check-up. Le check-up n'avait rien montré. Mais après quelques temps, on a fait un nouveau check-up qui montrait la maladie. Quand tu étais venu ici en Europe, est-ce que tu étais en couple avec quelqu'un? Amen. Amen. Beaucoup d'années qu'à la moutumon. J'avais rencontré quelqu'un ici. France, en fait. Ah. Beaucoup d'années, du coup, et puis je me suis emportée comme ça. Ok. Et est-ce que vous avez compris? Non, j'ai rien entendu.
Explique un peu plus fort. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Non, c'est avec quelqu'un avec qui c'est un ami d'enfance, Tokutananeya. C'est un ami d'enfance avec qui je me suis rencontrée ici et qui venait de Londres, c'est ça? Ok. Abobiminaï. Et nous sommes sortis. Ndote eko s'accomplir. Et le rêve s'est accompli après cette relation. Parce qu'il fallait au kata ndoto wana na prière moko intense leur sakola maki. Et toi tu devais briser ce rêve par une prière intense quand mais le diable est sous tes pieds à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus le diable. Ta vie continuera maintenant à monter et à monter. Tu vivras longtemps. Dieu t'a fait grâce. Acclame le Seigneur. Sois béni ma fille. Merci. Que mon okay. Dieu te bénisse.